nouvelle vidéo aujourd'hui qui va être consacrée à la création et l'installation du poêle. On a trop hâte, ça se passera la semaine prochaine. On va participer à l'installation du poêle. On a choisi un poêle de masse. Tu peux nous expliquer ce que c'est un poêle de masse, Dave, s'il te plaît? Poêle de masse, le concept, c'est en fait, il y a beaucoup de pierres, on va dire, réfractaires ou qui ont un pouvoir d'inertie. Et donc, on fait une flambée le matin et le soir après, donc les pierres, elles chauffent le matin et ça restitue le soir, je crois, jusqu'à un quart. À la moitié de la journée, il y a encore la moitié de la chaleur. En gros, c'est un poêle qui chauffe plus, plus, plus. Voilà, ça retransmet la chaleur. Ok, donc l'idée, nous, c'est de chauffer ça, de chauffer quasiment tout le bas avec l'hiver. Ça va soulager la pompe à chaleur. Voilà, et surtout, on l'a choisi aussi pour son côté esthétique, parce qu'il n'y a pas grand-chose que moi j'aime en termes de poêle. Je trouve souvent ça trop moderne, et j'ai eu un énorme coup de cœur pour celui-là. J'aime trop, toi aussi tu l'aimes bien? Ouais, ouais, franchement il est trop beau. On vous garde la surprise quand même pour l'installation, ça commence lundi. C'est un installateur qui est d'Allemagne qui vient installer ça et il demande aux clients de participer avec lui à monter le poêle, de l'aider du coup. Je trouve ça trop cool, donc on va pouvoir participer. Surtout toi. Tu peux donner un indice ou pas? Surtout toi, ouais. Je peux montrer ça? Oui, bah oui, je vais vous montrer ça. Déjà, je vais vous montrer où il va être. Bon, là, c'est le salon, franchement, qui n'a pas encore beaucoup d'allure. Mais il va être situé ici, puisqu'en fait, on s'était renseigné pour utiliser le conduit existant de la maison. Et pour quasiment tous les poêles, c'était pas possible. Parce qu'il y avait... C'est des trop gros foyers, donc il faut des conduits genre de 250 même la plupart. Et du coup, donc on s'était dit, bon, bah, on ne peut pas installer de poêle, sauf si on crée un autre conduit, mais bon, c'était vraiment... C'était par l'extérieur, sur le pignon, c'est pas possible. Ouais, c'était pas possible. Et comme par hasard, le poêle qu'on a choisi, qu'on voulait installer, c'était un conduit plus petit, c'était 200, je crois. Non, à 180 ? 150, je crois. 150. Je crois. Du coup, on a pu le faire. Donc, c'est un conduit de 150 qui remonte jusqu'en haut. Et du coup, bah, ça passait nickel. Donc, c'est que c'était celui-là qu'il fallait prendre. On était trop contents. On n'a pas eu beaucoup le choix sur l'emplacement, puisque conduit existant, donc il était ici. C'est sur le côté de la pièce, là où il y avait une ancienne cheminée en marbre. Qui était là. Là, ouais, voilà, donc il n'y a eu aucun souci à l'installation du conduit, il était bien fluide, pas bouché, donc nickel. Mais ça nous allait très bien qu'il soit ici parce que c'est là qu'on voulait faire l'espace canapé. On vous donne un petit indice de du coup la forme du poêle déjà. Voilà, il va être là, c'est un rond comme ça. Et je peux vous dire qu'il va être assez haut. Voilà, donc trop hâte de vous montrer, mais avant d'installer le poêle, je peux vous dire qu'il y a du travail. Déjà, il va falloir découper au niveau du plancher qu'on a créé ici, qui repose sur la dalle béton. Surtout, ce qu'on n'avait pas anticipé, c'est que quand les maçons ont créé la dalle béton, on ne savait pas en fait qu'on pouvait utiliser ce conduit-là. Enfin, on savait qu'on aurait un poêle, mais on ne savait pas où, comment... Pourquoi? Si pas, pourquoi on savait, mais on savait pas où. On savait pas quel poids il allait faire non plus. Ouais, donc on a fait la dalle béton, voilà, sans estimer un poêle à nulle part sur la dalle. Et finalement, il s'avère que du coup, le poêle qu'on a choisi pèse 1400 kilos. Voilà, il est énorme. Poêle 1400 de kilos. Du coup, il est massif. Hein. Voilà, donc on ne peut pas poser le poêle comme ça sur la dalle, c'est pas possible. La dalle supporte combien? C'est quoi les... 300 kilos mètre carré, mais grand max. Hein. On va devoir renforcer la dalle. Pour ça, on a fait quand même faire une étude par un bureau d'études, histoire d'être sûr en fait de savoir comment renforcer, si c'était avec une... C'était quoi les options? L'amont carbone. L'amont carbone, ouais. UPN ou des poteaux. Ou un mur. Bref, on a eu le compte rendu, donc on sait ce qu'il faut faire. Donc, on s'attaque, Pierre, aujourd'hui, à la création... Une assise, en fait, une semelle pour recevoir... un carré. Voilà, un rectangle. Un rectangle, pardon. Un peu, quand même. Oui, oui. Un rectangle de 25 cm d'épaisseur avec de la ferraille dedans, donc du béton armé.
Voilà. et deux murs en fait pour reprendre le poids du poêle sur les poutrelles. Voilà. Donc, au boulot, mon cher Pierre. Allez. C'est parti. Je vous laisse avec lui, hein. Je vais vous mettre un petit accéléré de ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de moi apparemment, donc ça me va très bien. Voilà où ça se passe dans la cave. Vraiment très sympa parce qu'en plus c'est vraiment à hauteur d'homme. Non, ça fait 1 m 50. Pierre, toujours équipé avec les EPI, hein, on adore. Non mais franchement. Un torchon. Ouais, t'as quand même un casque, c'est bien. Vas-y, hein. Action. Action, ouais. I hit record a job, you can't ignore it. I'm transforming now these cars and planes, I'm always boarding. Just out touring down in Charlotte like I play for Hornets. When I'm performing, never boring, now you can't afford it. Champagne, Perrier, finished friends on my face. Looking like I'm from the deep, D's no Cartiers. Pockets deep, 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 bro. I can make it in my seat, bro. Do you, I'm doing me, bro. Making noise, use a beat, bro. I never make it like no way. I'm the real deal, no role play. My days off, that's no days. No, I hustle hard, yeah, I'm rosé. E be the shooter, that's cold case. Those on the deals, that's rosé. Got no pay, yo, no say. Okay, this the new, tell them read it. Been the one since the fetus. Don't sleep on me, Tempur-Pedic. That's a no, no, no. Spending dope for no reason. Got a ball head, Mr. Clean. Heard the big bags overseas, then we gon' go, go, go. C'est un peu pareil, sauf que là, on est hyper précis. On a mis le laser pour que ce soit au niveau, pour que tout soit aligné tout droit et que ça soit aligné aussi derrière là. Vous savez, on a fait une arche, donc l'idée c'est que ce soit bien centré au milieu pour que la perspective soit sympa. Sorry, je n'ai plus de voix. C'est quoi ce mélange? C'est terre. Argile, terre et de l'eau, je crois. Si, c'est ça. Attention. Trop beau.
trop, trop, trop beau. Voilà, ça va être mis ici, évidemment. Wake up and beg up this year, jump out the crib, stack up my Sino this year, killing my ego this year, all for the people this year, only believe in the real, I do believe in no fear, and I got gang in this bitch, I never switch on the tribe, I keep it all the way real, I'm in control of my feels, you see my highlights, they study my real, yeah. I'm showing more love this year. Running more plays, finna scale up my business this year. The world in my palm, I'm a star. I deliver my cadence. I'm serving up chills to my peers. Bringing the bread for the fam. Everything good on its side. Everything coming together. New whip, no leash, no key in it. They heat it. California on the plates. I'm out here playing for keeping. I pull up, she leaking. She want me for the weekend. My foot on the gas with the brakes. Hate me or love me, you see me. Flex, yes. I got my foot on their neck. I'm out with a squad to the death. Young nigga, get to the checks. Flex, yes. Got nothing to lose, it's on the brew. Young nigga, come from the trench. Cuban links on my neck. Tanking, freeze. Smoking on dope, that diesel. Freeze, running till I miss my season. Lay back, geeky. Smoking on dope, that diesel. Young nigga, gone off the deep end. Running till I miss my season. I keep a stack of them blessings, I'm ballin', I'm play callin'. It chain on me matching my smile, you know that I stay saucin'. Wrist flooded, she drownin'. We good on this side, everything coming together. New whip, no leash, no key in it, they heat it. California on the plates, I'm out here playin' for keepin'. I pull up, she leakin', she want me for the weekend. My foot on the gas with the brakes, hate me or love me, you see me. Flex, yes, I got my foot on their neck. I'm out with a squad to the death. Young nigga, get to the checks. Flex, yes, got nothing to lose, it's on the brew. Young nigga, come from the trench. Cuban links on my neck, tanking. Freeze, smoking on dope, that diesel. Freeze, running till I miss my season. Lay back, geeking, smoking on dope, that diesel. Young nigga, gone off the deep end. Running till I miss my season. Bon, ça y est, je crois qu'il est temps de vous montrer le poêle mis en situation, puisque du coup, déjà quand on l'a installé, c'était en juin, on a aménagé fin mai, donc on était déjà dans la maison, mais là, ça y est, la déco, comme vous pouvez le voir derrière, ça commence vraiment à prendre forme. Je vous ferai un home tour bien complet bientôt, mais du coup, je vous montre le résultat du poêle. J'ai pas choisi la journée la plus ensoleillée, normalement il y a plus de soleil et ça lui rend un peu plus hommage. Mais voilà, le poêle vu de la cuisine, c'est exactement comme ça qu'on l'imaginait quand on a craqué dessus. J'adore ce point de vue-là, c'est mon préféré. Avec les arches, je trouve que ça rend trop bien, du coup il y a la même chose ici. Hop, comme vous voyez, il reste des choses un peu partout, des luminaires. L'entrée est quasiment finie, la cuisine aussi, il faudrait que je vous fasse un petit tour. Mais voilà, j'aime trop, je le trouve trop beau. Avec les boiseries et tout, franchement ça rend trop bien. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis fan. J'ai mis en 0,5 pour vous montrer aussi le prolongement de parquet entre la cuisine, l'entrée et le salon. Je trouve que c'est vraiment la meilleure idée, ça agrandit vachement l'espace. Et bonjour Momo. Et c'est très cool. Voilà, mais en tout cas j'ai hâte de faire la déco autour de ce poêle. Ça va être quelque chose. Là, j'ai vraiment pas mis grand-chose. On a juste un fauteuil. On n'a même pas notre canapé encore. On n'a pas notre table basse non plus. Donc voilà, il y a vraiment tout à faire. Mais j'ai mis un petit peu de déco quand même pour commencer. Voilà, après à voir si je mets un mur de couleur aussi derrière. Elle attend le feu, je crois. Je me suis changée puisque j'ai cours de sport tout à l'heure. Si, ce que je voulais vous dire, c'est que on a fait notre première flambée avant-hier.
Hier soir aussi, on a fait du feu un peu plus longtemps. On a dû, je sais plus, on l'a alimenté pendant 1 heure, on a dû mettre 3-4 bûches. Ça a bien chauffé toute la soirée et au bout de 12 heures, donc quand Pierre est descendu ce matin, c'était encore bien chaud, puisque ça restitue 50% de la chaleur au bout de 12 heures et au bout de 24 heures, il reste 25% de la chaleur. Donc le principe d'un poêle de masse, du coup, c'est que ça chauffe beaucoup et ça chauffe longtemps sans avoir besoin de mettre non plus énormément de bois. Donc c'était vraiment ce qu'on voulait pour que ça puisse prendre le relais sur la pompe à chaleur qui, elle, alimente les radiateurs, comme on vous avait expliqué, et du coup consomme de l'énergie, de l'électricité. Donc vraiment l'idée de ce poêle, c'est aussi de compenser en tout cas sur le rez-de-chaussée. Et c'est vrai que là, tout à l'heure, je l'ai touché, il était encore tiède alors qu'il est 16h30. C'est fou, je trouve. Ça consomme pas beaucoup de bois, ça va en tout cas, je trouve. Voilà, que vous dire d'autre? Écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je l'aime trop. Voilà. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est un petit foyer. Ce qu'on doit mettre en bûche, en taille de bûche, c'est des bûches de 30 cm, donc c'est assez petit. Hop, je vais me mettre en 0,5 et l'ouvrir. Voilà, donc c'est pas très grand du tout. C'est des petites bûches, mais. Donc on n'en trouve pas non plus partout. Souvent les bûches standards, c'est 40, 40, 50, je sais plus. 40, je crois. Voilà. Et j'anticipe la question du conduit de cheminée, du coup, qu'on ne voit pas ici, qu'on ne voit pas sur trois quarts du poêle quasiment. C'est juste quand on s'approche du coup du côté, on le voit, il est juste derrière. Et donc on a fait en sorte qu'il soit caché pour quand on soit sur le côté. Hop, à partir d'ici, on ne le voit plus quand on est en face non plus. Voilà, vous avez compris l'idée, je pense. Mais ouais, on a bien calculé pour que ça arrive vraiment pile au milieu. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai directement. Et puis, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo qui sera sur la terrasse qu'on a fini d'installer la semaine dernière. Donc là, je vais me mettre bien à jour sur les vidéos. Il me restait le poêle et la terrasse à vous montrer. Et après, je pense qu'on se prévoira un petit home tour pour tout vous montrer la déco. Mais j'aimerais bien avancer un petit peu plus le sujet. Et voilà. Donc, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.